trésorerie que vous avez trouvée pour les comptes de votre émission. Dis-nous la vérité, très cher digitateur d'Entamis officiel, très cher digitateur d'émission. Dis-nous la vérité partout dans le monde, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de bâtons, il y a plein de temps. Et Michel, nous sommes pour le moins les autres, il y a plus de temps pour l'entamant, pas dans différents sujets. D'actualité, nous avons un côté, nous avons un pour le moins les autres, et plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux, pour une bonne fois, M. José Kanu, qui est l'un des communicateurs de l'ACP, Alliance des Congolais Progressistes, ACP en cible, parti cher au gouvernement de la ville, Jean-Dimingo-Villamata. Sans plus tarder, la fête, déjà un bon qui est invité dans la radio. Monsieur José Kanu, bonjour, bienvenue à l'Interface officielle, la plateau et à Dim, vous avez fait un courant. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation, Nayo. C'est pour la première fois, c'est vrai. Mais j'ose espérer que vous êtes là pour la dernière fois. Je suis bonjour, na banandignon sur la émission Nayo, dis-nous la vérité. Oui, c'est vrai. Il nous faut vraiment de la vérité. Et Nayo Awa, je ne vous dirai que la stricte vérité. Et voilà. D'accord, monsieur José Kanuki. Alimenté, alors, on va t'en rappeler, il y a ACP, Alliance des Congolais Progressistes, parti cher du moment de la vie, Jean-Timi Mobina. Bonne ACP. Merci beaucoup, maman. Comme vous le dites là, José Kanuki, allez bel et bien au cadre et communicateur de l'Alliance des Congolais Progressistes, parti cher au gouverneur. Monsieur Jean-Tini Ngobila Mbaka, l'autorité morale, bien sûr, de l'ACP. Comment va l'ACP? Maman, l'ACP se porte bien. L'ACP se porte merveilleusement bien. Malgré que le soubresaut est allé dans le sens où, parce que nous sommes dans un monde politique, et vu que c'est un jeune parti politique, n'est-ce pas, piloté des mains de maître par son excellent Jean-Tini Ngobila Mbaka, na kata sphère politique wana, batebele ba recepila na ngote. Parce qu'en une année et quelques mois, ba merveille aussi et sali, et zo bangisa, ba parti politique et belé. Voilà pourquoi, au-delà de ça, à l'heure des élections, du moment que ba seuil, ba liste na biso et atteindre ba seuil de recevabilité na niveau provincial, na niveau, il y a la députation, il y a députation nationale, eh bien, nous pouvons dire, sans être contredit, que l'ACP va bien. Très bien, monsieur José Kanuki, l'ACP va bien. Les autres, vous voyez, ils sont partis. Il y a l'un de la ville d'Antilie Mobilapo, la ville politique, le président de l'Assemblée provinciale qui m'a dit, donc, au moins, il y a ma plainte, c'est qu'il y a des ennuis, il y a un amoureux, donc, on va faire pour même l'Assemblée. Maman, il y a ça, ma songi songi. Oh, elle dit que ça va y ça. Merci, maman. Nako, où est-ce que vous avez dit? Dans une chaîne équitable. Je vous dis ceci. Maman Graciela Bolinga, nous sommes dans un monde politique. Mais dans la politique, maman Nangaï, et belé baloubaka, que tous les coups sont permis. Mais malheureusement, lorsque vous voyez que tous les coups sont permis, pour un politique censé et responsable, le coup l'Argentine Ngobila Mbaka, quelque part d'accord en côté. Parce que lui n'est pas là pour faire de la politique, mais il est là pour servir les Quinois et Quinoises. Parce que Aza gouverneur. Donc, lui, Aza Talana, nous intérêt, il y a administré Naye. C'est-à-dire, le peuple congolais, et d'une manière particulière, le Quinois et Quinoise. Si content, nous avons posé la question sur ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale. Maman Nangaï, Jean-Tini Ngobila Mbaka, Azui, tête, Yaville, Oyo, ça fait plus ou moins, tout ce qu'il est, 4 ans et demi. Nasuka mandat. Moi, dans mon cas, Jean-Tini Ngobila Mbaka, c'est le seul gouverneur de Kinshasa, je précise, où il y a l'outa, il y a cela 30 ans, 40 ans. Ma successeur, Naye,
jamais va travailler na ba sinzili à travailler na ba sinzili na ça dit ba contrôleur na yé. Dans quel sens? Pour chaque jour UGF azalaka na hôtel de ville et l'UGF est là pour le contrôle. Au-delà de l'UGF, il y a Obabengi, bah, contrôleur, selon notre constitution, c'est-à-dire bah, députés provinciaux. Obazalaka wana pona ko contrôler pendant 4 ans, plus de 4 ans. Dis-moi, on a beaucoup d'argentini, on a mis l'ambaka, gestion naïve. Il y a le bureau, il y a la cour de compte. Et moi, on a beaucoup à gérer Kinshasa sous le contrôle, il y a une institution, il y a une structure, on a nyonso. Puis en 4 ans et demi, bah, nyonso, bah, managolo va toujours que la gestion était positive. Ah bon? Mais oui. Ok. Maman, on a eu aux animaux pensissants. Ah. Combien de fois, Olanda, monsieur le président, Godin Poy, pour ne pas les citer, le président Sapeur, le président Pasteur, oui, même madame, Aza Pasteur, non? Aza rappelle sa peur. Oui, Aza rappelle sa peur. Société des ambianteurs, des personnes élégantes, sa peur. Vous connaissez ce que j'ai dit. Au-delà de ça, avec tous ces 218 diplômes, il a toujours dit officiellement que bilan, il y a moins d'un mot qu'à Jantening, au bilan Baka, il a toujours positif. Ah! Donc, maman Graciela, aujourd'hui, ça dit qu'il y ait Godin Poyo Mochaki comme président de l'Assemblée provinciale, quoi contre l'Aga. Avant de faire ça, on a été pendant 4 ans et demi. C'est-à-dire, je vais vous dire ceci, que moi, je n'ai pas Godin Poyo, à Salaka, toujours Moussala Naye. Parce que lui, étant que Kinoise, moi, étant que Kinois, Bana moka nyoso, bachaki yon a te pour que bayo kanarana gentilin gobinambaka. Bachaki yon a pour a contrôler la gentilin gobinambaka. Mais du moment que 4 ans et demi, à l'objet et tes bilans a été positif, ça veut dire que c'est moi, ton bimélié. Parce que j'ai les 6 000 à gentilin gobinambaka. Si moi, en 4 ans et demi, à l'objet que ça dit qui toque. C'est quoi, faut mitou na maman nangaye, pe bakino a bakino a zwa mitou na. Mais à 3 mois des élections, magie et salami, bilan est positif et comme négatif. Est-ce que c'est lié à la non. Et il y a tout simplement pour la kissa, que mon thème Mamadé est poti. À poti ici, mon thème Mamadé dans le sens il y a intérêt politique, mais on y est. Voilà pourquoi c'est le lien de mon lande la yé. Pour rien dire, il y a des satisfactions que bilan y a moins d'ambos qu'à Jantinim pour bilan baka, et ça positif. C'est quoi le problème de ça, la bakinou et zani? On y est pas l'andamouto, il y a des satisfactions que bilan est positif. Bango va connu pour l'andamouan ambos qu'à Jantinim pour bilan baka. Or, le bilan de Jantinim pour bilan baka ne se dit pas par rapport aux paroles de José Canix. Le bilan des Jantini Gobilamaka se vérifie sur terrain avec des réalisations et des actions. Allez. Sous l'impulsion du chef de l'État, son leadership et tout ce que Monamboka Jantini Gobilamaka a sali sur terrain et que la tokotian Monamboka chef de l'État parce que Yango Pézali Kozala bilan chef de l'État parce que Monamboka Jantini Gobilamaka a sali représentant. Il y a chef de l'État, Nakati, il y a Kinshasa. Maman de Makambo, ils ont tel samoté maman de. Pourquoi? De un, moi n'a pas que j'entends n'y gobilambaka à Jiraka Assemblée Provinciale, t'es? Et ça n'a pas que Jiraka Assemblée Provinciale, c'est-à-dire les bureaux. Oyo, bah député provinciaux, bah tchaki bango, c'est-à-dire Godin Poy. C'est quoi ce qui va y okany? À travers les moliments à bango, à travers ma camion à bango, nous sommes au et les canakati institutions
assemblée provinciale. Bayokani te bazo ba mituka. Bayokani bazo soki ba mapamba. Bayokani bazo soki nini. Et que ba koti a crédit. Est-ce que za mwana mboka gentil ngo bilamba kande fo futa yango? Je ne pense pas. Mais balobi bo non. Mwana mboka gentil ngo bilamba katango a koti na tête de la ville de Kinshasa a koti ngo ya 64 millions de dollars. Oyo prédécesseur na ye Oasaki 12 ans na tête à vie de Kinshasa Tikilaki Kimbota. A fouti yango, yo ye bi koutou ke polémique, mo we salamaka na debi ya mandana ye. Donc moi na janti, moi na mboka janti mingo bilambaka zo kousake. Mais to fouti yango. Mais le seul nyongo oyo ville de Kinshasa zanango lelo. E routi te na manda ya janti mingo bilambaka. E routi na prédécesseur na ye. C'est-à-dire 17 millions. 17 millions oyo et nyongo to kutaki 17 millions ya nyongo oyo to kutaki et kutaki na prédécesseur na yeki mbuta pe to zali ko futa yango. Mais au-delà de ça, gouvernement central andimaki ko suppléer. Est-ce que c'est mon engagement? Gouvernement central andimaki ko suppléer pe ko banda ko futa yango, parce que c'est vrai que la vie est en difficulté par rapport à la rétrocession, par rapport à Bamakambo Ebele. Il y a encore une deuxième nyongo. Nyongo Ezali, il y a 3 500 000, si je ne m'abuse. À part 17 millions. Alors, nyongo na tosili kofuta yango hôtel de ville, c'est-à-dire moi, Mboka Jantini Gombila Baka, comme gouverneur, basili kofuta yango etikalinde 500 000. Si ko nyoka motema mabe, il y a pasteur sapeur, président, il y a APK. Pasteur, président, APK, il y a APK, il y a Godin Poy. Abima n'a été nommé à travers la République, aïe, pour conseiller la monde en Boka Jantini, ou bien Bakapé, pour salir Villa Kinshasa, que la ville est endettée à plus de 150 millions de dollars. Maman langage. Où les amis montent maman B. Yoka na l'oma on a bêta. Tango pouvoir à cette côte avant le pouvoir, il y a des partenaires. Il y a des personnes qui viennent avec différents projets pour l'intérêt à vivre. Si qu'on bateau, ma partenaire, ou t'as États-Unis, m'a dit que non, tu aurais la bino 100 millions de dollars. Pour na, de ça l'infrastructure, de ça, de ça, de ton intérêt à bâtiment. La démarche a été entamée, c'est vrai, à travers des lettres administratives. Jean Lambert Jantini Gobila a comme là qui président Godin Poyi comme disons APK pour marquer sa aval na na démarche wana afin que Toto Tanyongwana. Mais depuis tout ce temps, maman Nanga, pas un seul franc n'a été déboursé. Et le président de l'APK Ayebi Yango très bien. Ce qui est dans le lingue wana, président ya APK, attendez la vie, Mongoana, et Zoma qui n'a banque nini, nani a réceptionné qui en haut, et qui n'a qui wapi. C'est comme ça, au moins, depuis le 2 octobre, hôtel de ville, en mandata qui peut bisoper, tout ça qui wana na simana bango, pour accompagner Bavouka, ba déposa qui une plainte na niveau ya parquet près la cour de cassation. Pourquoi? Pourquoi mon avocat Godin Poyi Pasteur, Pasteur Godin Poyi, président de l'APK, aïe, na le mango, pour expliquer la justice, n'a pas preuve irréfutable, il y a 150 millions de dollars, voilà, n'a pas fictif Oye à l'Obaka. Justice, c'est ça, ma peine à l'amour. Mention des payances. Maman, nous sommes en démocratie. Moi, je suis en Jantini Bilambaka, à qui ma assemblée provinciale été, à qui ma contrôleur n'a été. Moi, je suis en répondre. Mais seulement, et c'est une des procédures, et à la respecter. Mais et que les tines à et c'est ça même la beauté de la justice et de la démocratie. Il y a ça le col là-bas, mais sous-souté. Ça fait la deuxième fois. Pasteur Godin Poyi,
Deuxième fois, il y a des députés provinciaux, le commissaire qui est président à Bango, ils ont reproché le détournement, ils ont reproché ma cambrébélé. Pour une deuxième fois, ils ont initié les sous-sous. Dans le cadre de la procédure, il y a mise en accusation. Est-ce que je comprends? Donc, vous comprenez que, en réalité, au-delà de tout, monsieur le gouverneur Gentilien Ngobilambaka ne travaille que pour l'intérêt des Kenois. Il n'y a pas de Nyongo, mais, tout le temps de la vie, nous, Macaro. Maman, Nangaï, Naoudi, que vous avez 17 millions d'euros. Naoudi, c'est le gouvernement qui doit acheter pour lui une Jeep, ou bien pour lui poser par rapport à des moulimans, parce que quand on a un salaire, ou bien à des moulimans. Mais non, ce n'est pas tout ça. C'est plutôt eux qui sont en train de reprocher leur président, Makambwe Bele. Mais concernant l'Égypte, chacun est libre. Il y a que soit non, il y a que salamou, il y a que salamou. L'essentiel est que épurer la dette na bango. C'est dans ce sens-là. Mais par rapport au travail du gouverneur de la ville de Kinshasa, je vous assure, je vais vous citer d'ici là. Pourquoi je l'ai dit? Oui, Maman Grachela, avec votre permission, je regarde les Kinois et Kinoises et je leur dis ceci. Ce qui est José Kaniki Kalombo, l'homme de la rationalité du bon sens, Naïkoïb Sabino Kejantini Ngobilambaka, comme ici, Kinshasa, Londres. Mais, na kolobana bakinwa boye, moi na mboka Gentilien Ngobilambaka fait mieux que tous ses prédécesseurs. C'est-à-dire que nous faisons des pas vers l'avant. C'est-à-dire, nous progressons. Nous progressons comment? Maman, pendant 12 ans, pendant 30 ans, il n'y a pas une seule usine où il faut retirer des déchets plastiques dans l'immondice dans Katia Kinshasa. Et ça, ça a 12 ans dans Katia gestion en ville à Kinshasa. Mais l'élo est sali. Pendant des années, 30 ans, 40 ans, le prédécesseur n'a pas les cas. Et un à mon côté à Tonga, Nzela ou Babengi, le col a élingé sa 6 km à Katia Kinshasa. Il n'y a pas un seul gouverneur. Mais il est sur fond propre. Sans oublier qu'il y a eu au moins 2 ans il y a Covid. 2 ans Covid dans lequel sens? Ville n'a pas eu ce centre financier à la. Et ce qu'un centre commercial les a. Et ce qu'un matin, on a vu sur ces alakas, et ce qu'un mambongo et koki koko dans la vie est un amant. Mais il a pu construire, peut réhabiliter plus de 25 routes, maman Langaï. Est-ce que la lobby que ville est commis Paris? Non. Mais plus de 25 routes en 4 ans, ça n'a jamais existé. Makanza, Asosa, Kikwiti, Oche, Oshwe, Victoire, Elengesa. Mais ce que vous voulez, c'est que vous Nazoya. Au-delà de ça, maman Nangaï, Zando et Pola qui maman craché là, aux maman. Tant que vous kota na Zandouana, ma ami se banan vous quitte. Pour Nanim, pour Salité, pour Poto Poto, pour Basundo la Kabino, pour Moutou, mon côté, gouverneur, mon côté, à Tchakami, sur Nicolas Zando na Bino. Nicolas Zando na Bino. Pour Kangela, ma maman. Oui, tokanga yango. Tokanga yango ponani. Yoka soko esika ba maman ba sete laba. Ozali maman, oyebi douleur d'enfantement. 9 mois na kati ya libumu. Oyebi ndenge nini bozaka na ba mère. Oyebi ndenge nini passe ezalaka. Oyebi ndenge nini bosufwaka. Mais tango mwana yaka na mokili. Eka leli nge. Maman osepelaka pe obosani douleur. Voilà na sens wana. Zando wana. Pendant des années, vous n'étiez pas d'accord. Bon, maintenant vous reprochez bato. Mais aujourd'hui, mon amour, quand j'entends Ngobila Mbakaye, a suivi décision, a bondi na ba Libanais au bazo kabino na otage, a bondi na ba onye se ba homme fort, puis a bimisi projet, a tché projet, a ken la justice. Tout ça, ça prend du temps.
Mais aujourd'hui, Zandouane est allé aussi là. Maman, tant que est-ce que dans deux mots, est-ce que la paix est en maté? Maman n'a gagné. Ils allaient aussi là. Maman n'a gagné. Ils allaient aussi là. C'est-à-dire que même si ils s'y des mois au thé, je donne cette illustration là. Exemple. Oui, Billy, ma caméra basse des moutons. Tolé la gâte. Eh, basse ton maté. Eh, nini, eh, ni, tolé la gâte. Mais le lot, on s'en a coûté question des moutons à la gâte. Parce que chaque jour, tolé kakawana. C'est de la même manière. C'est-à-dire, je vais dire tout simplement ceci, qu'au-delà de la douleur d'enfantement, au-delà de tout ce que nous pouvons reprocher, Zandouana est aussi là. Et ils ont aussi là pour créer 600 000 emplois. Et ils ont créé pour la courir là 600, comment, au moins 650 magasins. Et morgue et j'en passe. Et ils ont là pour la occuper, occupation, il y a plus ou moins 65 000 places. Bref. Au-delà de tout, on peut reprocher à Jean-Tenis Ngobilamba qu'à certaines choses, parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas parfait. Mais au moins, il faudrait reconnaître. Il faudrait reconnaître, chers Congolais, chers Kinois et Kinoises, le gouverneur Jean-Tenis Ngobilamba a travaillé pour l'intérêt des Kinois et des Kinois. On a essayé combien sur 10? On a essayé 7 sur 10. 7 sur 10. Oui. Très bien, on a vu José Kaniki, on a rappelé qu'il y a au cadre du parti ACP, il y a parti cher, il y a gouvernement de la ville, Jean-Tini, Gobleto, Koko, Bama, 24 candidatures à la présidentielle du 20 décembre, dont une candidature, il y a moi, si, il y a Mme José Ifoku. Voilà, vous avez déjà Bandoya, qui est déjà candidat malheureuse, on a élection en 2018. Il est mort à Zongi parmi les 24. Du point de vue critérium, on a dit qu'il y a une candidature, surtout où il allait enregistrer 24 et tout. On a dit qu'il y a un candidat qui est valable. Maman. Bah, dis-moi, le jérité, moi, je suis un peu plus jeune que ma présidente. Je suis un peu plus jeune que critérium. Maman, nous avons choisi la démocratie. Et la démocratie a ses aléas. La démocratie est une imperfection dans nous. Et ça, moi je mets ça dans le cadre de la saleté de la démocratie. Parce que je peux ça montrer non seulement la latitude, la possibilité, il y a pour postuler. Entrons dans le fond. Maman, on a députation provinciale pour près de 800 sièges, hein, si je ne m'abuse. Oui, 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 candidat. T'es maman. T'es maman. D'accord. T'es. Avant, dans ça, les logos, on a réfléchi, ça va toujours à trois fois. Okay. Je ne suis jamais emporté par le vent. D'accord. Nous avons considéré que c'est mon pépé. Pourquoi? Comment vous pouvez comprendre que pour près de 750 sièges au niveau provincial, de manière générale, il y a près de 50 000 candidats? C'est-à-dire qu'il y aura au moins 49 500 candidats malheureux. Si quoi, bah, moi, on a mis ce faux bac qui est négolé là, la justice, la cour constitutionnelle. Oh là là. Bah, vous en avez ça, la justice. Tu t'imagines, maman Nangaï, que pour 500 sièges au niveau de la députation nationale, il y a près de 24 000 candidats. C'est-à-dire, nous aurons près de 23 500 candidats malheureux. Bah, moi, on est sur la charge, il y a pour. Justice. La justice tout le monde. Bah on essaye, bah il vient pas voir. Eh bah ça les mauvais. Non, ce sont des candidatures fantaisistes. C'est n'importe quoi. Okay. Dans quel sens? Vous vous imaginez que pour un niveau présidentiel, il y a plus ou moins combien? 24. Près de 25 de tout le monde ta candidature. Donc on aura 23 candidats malheureux. Oh, bah, on m'a volé les voix, vérité des urnes. Parce que la plupart des candidats de l'opposition, ils savent qu'ils vont perdre devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils savent. Et au lieu de préparer la victoire, ils préfèrent préparer la contestation. Par coller la bamonion. Ils vont crier
à tue-tête d'ici 2 mois, qu'on a volé la victoire, que le président de la République a triché, fausseté. Le président de la République a un bilan élogieux. Le président de la République sera réélu par rapport à son bilan. Okay. Et quand vous parlez des candidats au niveau présidentiel, par exemple, vous pensez qu'un monsieur comme Seth Kikoun, du plus profond, candidat même son épouse, l'élection 2018, candidat. Au candidat, il n'y a plus qu'à gagner. Pourquoi il est avocat? Il est jeune. Il y a un renouvellement de la classe politique. Nous sommes en politique d'abord, hein, au-delà de tout. Quel est son parti politique? Ça dit qu'il n'a pas les bases officielles. Parce que la base sort aussi du parti politique. Comment il peut gagner? Mais il va déposer, fantaisiste. Un homme comme Délice Essang, vous pensez vraiment qu'il peut gagner? On vole. Soyons sérieux. Un homme comme Mama Ifo. Bref, je ne vais pas citer les noms. Maintenant, concernant Baou et Obaza, entre guillemets, Papa lourd de l'opposition. Mais c'est clair qu'ils vont disperser le voix. Parce que Katumbi va voter par une petite portion. Il y a côté à Katam. Martin Fayulu va voter par une petite portion. Na Bandundu, peut-être à peine à Kinshasa. Martin Tamponio, il a déjà des problèmes avec la justice. Donc vous comprenez que, en réalité, le chef de l'État n'a pas de challengeur, de concurrent à sa hauteur. Mais nous ne négligeons aucun candidat. Parce qu'un bon joueur, un bon entraîneur, une bonne équipe se prépare toujours. D'où voilà pourquoi l'Union sacrée et Zawana pour accompagner les chefs de l'État qu'on travaille. Mais il y a aucun ça que l'opposition est en train de se faire, pas de se candidat, mais encore l'opposition. Peut-être que bon monde est en train de la face à mon candidat en Boka actuel, je suis en train de se faire candidat à l'Union sacrée. Maman, Grachela Bolenga, Nanina Lopapoui. En 2018, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a gagné les élections sans Matata, sans Fayou, sans Beba, sans Katumbi, sans Kabila, sans Diomou. En 2018. Ouais, Bango Nonsoano, le chef de l'État a gagné l'élection. Wana Zagina on a bilanté. Sans pour vous dire quoi, le chef de l'État a un bilan positif. Lorsque l'on parle de 145, les programmes de développement des 145 territoires, est-ce que Oyebi, un seul président de la République, un seul de ses prédécesseurs, de Kassavubu à Joseph Kabila, Oyoba pensa aux populations des 145 territoires, à Zadi. Mais le chef de l'État a canisé toute la population congolaise, à Zotonga, près de 800 centres de santé. Ça n'a jamais existé. À Zotonga, Bekol, dans tous les 145 territoires, Tomoni, barrage, Ezali Kotala inauguré, Boussanga na Kona Kolezi. Tomoni na Lola Babito. Tomoni, comment on appelle ça? Babatima Ezali Kotonga. Tomoni, nengenini, on a eu à, comment on appelle ça? Retaper, au moins, na niveau campus, na niveau ya UPEN, na niveau ya IBTP. Tomoni nengenini ba aéroport ezali kotonga ma pour la première fois na Katiambo Kanabiso na Lualaba na Mbujimayi na comment appelle ça na Chopo. Tomoni nengenini mama yemo oyo kamapa yamaka fama poche lelo
soko leki wana otikali monoko polele lobi nzambe béni Fati pour sa volonté politique. Merci Fati, parce que avec cette bâtisse, ça démontre que tu veux faire les choses pour l'intérêt du peuple congolais. Tout le monde, il y a eu près de 6 millions d'enfants. Maman, Gabon, Congo-Brazzaville, ils ont atteint même pas 6 millions d'habitants. 6 millions, deux pays. Mais maintenant, la grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a 6 millions d'enfants qui retournent à l'école pour la gratuité de l'enseignement. C'est-à-dire, toute la population congolaise a bénéficié de la gratuité de l'enseignement. Maman, Maman Nangaï, on a eu à mécaniser par ces régimes plus de 100 000 enseignants. Maman Nangaï, la fonction publique, et si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de par ces régimes, restructurer. Lelo, on a eu à mécaniser plusieurs des milliers de fonctionnaires. Très bien, moi, on a commandé côté du capitaine, l'IPA, mon avocat, on a déposé la candidature. Oui. Alors, Congo, il a besoin de l'IPA, il a besoin de Kimia. Kimia, tu as besoin de Kimia, tu as besoin de Kimia. Si j'ai été situation sécuritaire à l'Est, il y a un peu de temps. L'IPA. L'IPA égale la sociale. Est-ce que le lot n'est pas José Kaniki, au total, le Congo, il peut le battre? Dans 5 ans, il y a un peu de temps. Merci maman. Vous savez, j'aime rester vrai. Dis-nous la vérité. Ah, d'ailleurs, voilà même le titre de l'émission. J'aime rester rationnel et je fais toujours preuve de bon sens. Ça dit Natika Lakamoto. Je suis un humain. Je ne suis pas un sorcier. Très bien. C'est pour dire quoi? Déjà, Nanina Lévé qui vaut. Le pain, c'est une partie du social. Quand on dit le pain, ça dit l'iboumou, il y a mon temps. Kolia, c'est une partie du social. Mais au-delà de ça, Mama Grachela, la gratuité de l'enseignement ne fait pas partie du social. Ça fait partie du social. Lorsque vous avez un moi, je suis allé au Kenena Kélas. Et si tu as un banamisatu, il fallait pas foutre 1000 dollars par année pour un banamisatu. Et que, ok, moi, je suis offert dans la classe, 1000 dollars pour préserver un mot. Ce n'est pas du social. C'est du social. Bref, je vais vous dire que le social, c'est un tout. Parlons maintenant du pain. Maman, le pain a été difficile. Oui. Mais le chef de l'État l'a dit. Cela prouve que nous sommes différents avec les autres. Nous savons, nous sommes capables de faire ça, là, comment on appelle ça, introspection, nous sommes capables de faire ça, là, analyse vraie, qu'on relève le point fort dans vos points faibles. Le pain a été difficile parce qu'il y a eu inflation. Donc, ils allaient pour matin. Ça, c'est vrai. Mais seulement au-delà de tout, ça pouvait être pire. Parce que la situation que nous connaissons, il y a difficulté, il y a pain, il y a inflation, il y a manque d'ali komata, c'est à travers le monde. Est-ce qu'il y a José Kani qui n'a pas aussi? Maman Nangaï, ce qui est ok en Angola, okokuta te bilo ke mati, ce qui est ok en Congo Brazzaville, okokuta te bilo ke mati. Moi, je suis là pour nous, moi, je suis là pour nous, quoi, on a eu komata. Maman Nangaï, vous êtes sûr que ce qui est ok en France, Okokuta te été, comment on appelle ça? Ce qui est spaghetti, ce qui est nina, ou yabango kuna, aliment de base de mati. On est sûr que ce qui est au USA actuellement. D'ailleurs, il y a une de mes soeurs qui sort de là, ça fait une semaine, mais elle m'a dit que non, c'est terrible là-bas. Ce n'est pas pour justifier, mais c'est pour démontrer tout simplement dans les contextes dans lesquels nous avons pu travailler. Mais nous continuons à travailler d'ailleurs. C'est ce qui démontre que le chef de l'État reste rationnel et fait preuve de bon sens. Lorsqu'il dit que le Congo a besoin du pain, c'est-à-dire qu'il est conscient qu'il doit continuer à travailler
dans ce sens-là, au-delà de tout ce qu'il a fait dans les autres secteurs par rapport au social. On se comprend. Mais lorsqu'il parle aussi de la peine à effleurer en Gombao, le chef de l'État est encore conscient que c'est une situation difficile dans laquelle Azoli Kokunda tombe midi. Pourquoi? Pour être qui m'y a raison en Ambo Kanabiso à travers la diplomatie, à travers. C'est par rapport à Maloubana et Mokaloba qui que. Souris qui m'a continué à STT et puis à Mokondibou et qui m'a 5 ans au point que Koloba qui est qui m'a continué. Maman Nangaï. Par rapport à Maloba. Non. Rapidement, puisque le chef de l'État déjà l'a dit que non, Azali Kokunda, pour Nayango. Tokolobate que Kimia est poti. Mais tout à l'heure, Kogunda, Toko continue Kogunda parce qu'il s'agit de l'intérêt de notre pays, de la population congolaise. Il y a Kozongisa, Kimia Nambo Kanabiso. Très bien, Nambo Kanabiso, José Kaniki, Toko Minasuka, il y a émission Yonde Oyebika. Et bonjour. Kasi Yangwana Naoluka, Oshite directement, on a marabé à Corse, on a dit à Maloba, pour économiser, ça fait marabébé, ça fait vraiment couler beaucoup d'enfants de salive partout dans la ville, province de Kinshasa, dans notre pays, République Locative Corse. Dit Congo, tous ont tiré au caméra et au Gadondi, au PESA, mot de la fin émission également, au Tchapé Bapoin, si on m'a accordé encore au témoin oculaire à Bimisi. Merci maman, c'est de la sorcellerie. Monsieur John Mumbi est un général de notre armée qui est venu avec l'Afdel et tous ces malheurs, ces lots de malheurs que nous avons vécu pendant 18 ans, pendant 20 ans. Monsieur le général John Mumbi, n'est pas un vrai militaire. Pourquoi je l'ai dit? Un militaire, un officier militaire commence par sous-lieutenant. Lieutenant, capitaine, major, colonel full si je ne m'abuse, puis lieutenant et ensuite général. Vous avez vu, vous avez étudié le parcours de M. John Mumbi et vous l'avez trouvé comme sous-lieutenant quelque part dans son parcours? Il n'y en a pas. Bref. C'est un monsieur qui est tombé sur la soupe. Maintenant, il y a une affaire na justice par rapport à la Makamba procès. Ce qui est au Monique et Sengeli Ozala héros, il y a quand même pour répondre à la justice. Maintenant, par rapport à l'accord, madame. Et à l'obi, en décembre, pour vous qui m'a. 5 ans après, on a eu un accord dans les FCC, dans les Lamoukistes. Mais il y a une seule preuve d'accord. Je pense que ça c'est clair. Le chef de l'État a gagné les élections en 2018. Ça c'est clair. Mais comme il y avait un problème de majorité pour diriger bien Mboka, il a fallu s'allier avec le FCC. D'où la majorité était FCC cash. C'est l'accord que nous connaissons. Il y a une personne, une famille politique, qui est Joseph Kabila, à Koloba, 3 mois en haut. Est-ce que c'est à Loba? Bon, il y a le Kola, à Zalakanae Baba, dans le sens, il y a, comment on appelle ça, président ou DG, il y a université, à Kara, c'est comme ça, il y a Kara. Mais à Zalakanae porte-parole. Est-ce que nous sommes monatés, que ceux qui ont la lecture, il y a OPJ, pour ça la banquette, au comment on a que Nangaté, Azane te porte parole à Kabila. Oh, est-ce qu'au moment on a dit que John Mumbi, au moment on a dit que John Mumbi a sa porte parole? Bref, c'est pour vous dire que John Mumbi ne fait pas peur au président de la République. John Mumbi ne fait pas peur à la famille, de la famille politique du président de la République. D'ailleurs, j'aimerais rappeler pour terminer que cette famille politique des Tshisekedistes, ils ont combattu 37 ans durant dans l'opposition contre la dictature de Mobutu. Sans armes. Ils ont combattu les maquisards, Mouzé, paix à son âme, pendant plus ou moins 3 ans, sans armes. Ils ont combattu 18 ans, Joseph Kabila, dans l'opposition, sans armes. Ils sont arrivés au pouvoir, sans armes, sans crépitement de balles. Bon, ce qu'on a eu, quand c'est pendant que Yodjo Numbi, ou Lali, ou Loti, ou quand c'est au banc, ça va te donner. Très bien. Très bien, Mbouka, José Kaniki, merci beaucoup pour votre disponibilité. En tout cas, Nge, répondre à l'invitation de la mission pour moi, Lilo. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, madame. Voilà, merci à vous également, le téléspectateur d'MKBS officiel et téléspectateur de l'émission
Dis-nous la vérité, Bozaki Ebéna, qui n'est pas un roi, mais pour la vie, nous avons José Kaniki, je rappelle qu'il est l'un des hauts cadres du parti Alliance des Congolais Progressistes, ACP plutôt, en sigle, parti cher du mandat de la vie, Gentili Ngobila. Merci. Nous avons un roi, Dondi, aux hommes, et à ma caméra, pour vous très prochainement, ce que Jésus-Christ a donné.